make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 et aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien pour parler de quoi? Tout simplement les frères, d'un père obsédé. Qu'est-ce que c'est qu'un père obsédé? Pourquoi un père obsédé? Je vais tout vous expliquer comme à mon habitude. Donc tout simplement les frères, vous savez autant que personne qui a 21 ans donc, et qui ne pourra jamais devenir une star du foot ou quoi que ce soit. Moi le foot, c'est ce que j'ai toujours aimé. Je vous explique vite fait. Moi le foot, c'est ce que j'ai toujours aimé. Et j'aimerais bien que mon fils, lui, fasse du football. Donc, pas au point d'être obsédé. Non, mon fils, s'il devient footballeur, tant mieux. Mais si vous me dites aujourd'hui, GameX13, qu'est-ce que tu veux que ton fils devienne? Je vais te dire, bah frère, j'aimerais bien qu'il devienne footballeur. Moi, c'est un régal, c'est la patate. C'est un sport magnifique. Et si tu peux vivre de la chose que tu aimes, c'est la chose la plus magnifique qui peut t'arriver sur Terre. Parce que oui, dans le monde, il y a des gens qui font un travail qui ne leur plaît pas forcément. Alors que s'ils se bougent un peu plus le cul, ils pourraient faire un travail qu'ils aiment, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tout simplement, vous allez voir là, l'image du gars, du petit merdeux, il est mastoc comme je sais pas quoi, c'est un Hulk. Il a je crois 9 ans, si ma copine m'a bien dit 8-9 ans, pas plus de 10 ans en tout cas. Il a 8-9 ans, je vous ai affiché là les muscles qu'il a le bonhomme, c'est un truc de ouf. Le mec il est musclé, il est baraqué et il a juste 8-9 ans. Son père était un obsédé de musculation, donc il a transformé son pote en quoi? En Hulk. Le mec, je vous promets que s'il fait le prochain Hulk, il aura même pas besoin de se déguiser. Il aura juste à le peindre en vert. Il aura juste à le peindre en vert. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est dommage que ton obsession à toi, tu obliges ton fils à l'avoir. Imaginons, frère. Imaginons, ok? Imaginons. Toi, l'abonné qui me regarde, garçon ou fille d'ailleurs, imaginons que ton père est poubellier. On dit n'importe quoi. Vous ne moquez pas des poubelliers parce qu'ils font plus d'oseille que nous. Un poubellier, ça fait entre 3000 et 5000 euros. Parce que c'est un travail de nuit. Vas-y, comment on y aller, tu ramasses les ordures, ça pue, mon frère, et il faut un diplôme pour ça, il faut un bac. Et ouais, il faut un diplôme, il faut le bac, mon frère. Tu vois, tu te dis poubellier, poubellier, tu te fais des sous, tu travailles le soir à l'ombre. C'est-à-dire que le matin, tu arrives chez toi, tu dors, et puis l'après-midi, tu vas faire le shopping avec ta femme ou tu te fais le plaisir, l'après-midi, t'es peinard, tranquille, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer. Imaginons votre père, il est poubellier. Votre père, il veut que vous soyez poubellier. Il va vous obliger à être poubellier. Nanani nan. Mais le pire, c'est pas ça. C'est au niveau du sport. C'est là le pire. C'est comme si moi j'avais un fils et que je l'obligeais tous les jours à aller au foot, tous les jours à faire ci, tous les jours à faire ça, tous les jours à faire ci. Waouh, c'est pas une vie, mon frère. C'est pas une vie. Oh, ton fils, laisse-le, le gamin. Oh, le gamin, laisse-le. Regarde le gamin comment il est mastoc. Regarde le gamin comment il est mastoc. Et croyez pas, hein. C'est un handicap aussi, ça, d'être mastoc comme ça à son âge. Déjà, le mec, il va mesurer 3 pommes. C'est-à-dire qu'il va mesurer 3 pommes. Parce que le mec, pendant que justement son corps est en construction, bah, son père, il a gavé de musculation. Il a dû lui donner des produits, je pense, au petit. Parce que pour avoir des muscles comme ça, t'as intérêt à leur donner un produit pour les nourrir, les muscles. Hein. Donc, il a explosé son fils, tout simplement. Pour moi, il a abîmé son fils. Ok. Avoir un petit-fils. Moi, par exemple, mon abonné, je sais pas. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas être mon fils. Je vais te donner un nom, ok? Je vais donner le nom de mon petit frère. Je vais t'appeler Mohamed. Et je vais dire, fiston, le matin, quand tu te réveilles, fais un truc bien, fils. Fais 10 pompes, c'est bien, ok? Et tout simplement, tous les matins, tu vas te réveiller, tu vas faire 10 pompes. T'arrêtes un peu, tu refais 10 pompes, 20 pompes. Tu vas te doucher, tu vas à l'école, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu fais un peu les pompes, tu fais un peu de musculation pour te, tu sais, pour avoir un corps sain et propre. Pas pour aller tuer ton fils. Oh, il a tué son fils. Et tout ça, c'est quoi? Moi, je vois bien. Souvent, c'est l'obsession du père qui reflète sur le fils. Un mec, il va vouloir que son fils devienne un footballeur et il va tout faire pour que son fils devienne footballeur. Même si le petit, il a envie d'être... je sais pas, moi... il a envie de jouer de la guitare. Flûtiste, voilà, je sais pas ce qu'il veut être le gamin. Bah, il va l'obliger à devenir ce que le père voulait devenir. Moi aujourd'hui j'ai voulu devenir footballeur. Toujours rêvé de devenir footballeur comme beaucoup de gens. Aujourd'hui mon fils va naître. Je vais lui donner un ballon. Je vais laisser s'amuser. Il aime pas le foot. Hé,
il aime pas le foot, mon frère. Et il aime pas le foot. Il va me dire l'activité qu'il veut. Et si moi j'ai la possibilité d'aider mon fils à être bon dans ce qu'il veut faire, je l'aiderai. Et c'est le conseil que je vous donne à vous, mes abonnés. C'est le conseil que je vous donne à vous. Quand vous aurez des enfants plus tard, ne les obligez jamais à faire ce que vous voulez comme sport ou comme travail. Et je vous jure que c'est bien. Parce que vous, aujourd'hui, je pense que si toi, frère, toi, l'abonné qui me regarde, si tu veux être prof, ton père, il veut que tu sois conducteur de rallye, t'as pas envie, mon frère, tu veux être prof. Tu veux aider des gens et leur apprendre des choses. T'as pas envie de voir des gens Red Bull et conduire la voiture, rouler, déraper et t'exploser contre un mur. Non, t'as envie d'être prof, t'as envie d'apprendre des choses aux enfants. Et stop, tu veux être prof. À ton père maintenant de t'aider au niveau du français, au niveau des calculs, pour que quand plus tard, tu sois un bon prof et que tu aies la chance d'être un prof. Et que tu travailles peut-être, Inch'Allah, dans des grandes écoles telles que Harvard, des trucs de ouf, tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Moi, c'est ce que. Pour moi, c'est ce qui compte. Ne pas transformer son fils en ce qu'on a voulu être. Pourquoi pas au début lui donner la chance d'être ce qu'on voulait être, mais il faut pas l'obliger à être ce que tu voulais être tout simplement. Ton fils, tu voulais que ce soit un footballeur, t'essayes, il aime pas le foot, il aime pas le foot. Le petit, il a vraiment tué quoi. Le petit, il a des muscles comme ça, c'est une bête. Ok, c'est bien, t'as un beau corps, frère. Mais dans la vie, t'es qu'une copine. Hein. Tu vas dormir qu'avec une, tu vas faire des cochonneries qu'avec une, et puis c'est tout. Ton corps, il va te servir à quoi au final? Il va te servir à quoi? Bon, le petit. Je vais pas vous mentir que le petit, je le comprends. Hein. T'as un père et il te manipule, tu y passes. Après, voilà, je ne connais pas l'histoire exactement, je ne connais pas la famille. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Voilà. Si le père aime bien, si le petit garçon aime bien, tant mieux. Mais je veux dire, pour un petit gars de 9 ans, son corps, il est aussi travaillé que le mien et n'importe quelle personne qui va regarder cette vidéo. Les 8000 personnes qui regardent d'habitude mes vidéos, il a un corps plus développé que les nôtres, les frères. Il est sec comme un saucisson, le gamin. Il est sec comme un saucisson. Et au bout d'un moment, il monte ses bras comme ça, là, tu vois, c'est un mastoc, le gamin. Tu sais, ça, la musculation. Ça produit des problèmes au dos, tu vois, quand tu forces avec les haltères, quand tu portes les haltères, ça travaille dans le dos, tout ça. C'est-à-dire que le petit, certes, il a un beau corps, il est musclé, mais pour se muscler, et pour être beau, il faut souffrir. Et il a dû souffrir, et plus tard, il va avoir des douleurs quelque part, tout simplement. C'est comme ça. Mais la morale de cette vidéo, c'est n'obligez jamais les gens à être ce que vous avez voulu être. Et les gens, c'est pareil, ils ne doivent pas vous obliger non plus. Ok? Comme je vous dis dans mes vidéos, on est dans un monde libre. Moi aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils. Voilà, vous, mes abonnés, vous voulez les prendre. Tant mieux. Alhamdoulilah, je vais continuer à vous en donner. Aujourd'hui, peut-être, il y en a qui se foutent de ma gueule. Ils disent, ouais, lui, il conseille des gens. Nan, nan, nan. J'ai envie de leur dire un mot. Je vous emmerde. Tout simplement. Je vous emmerde. Ok? Je suis fier, moi, d'apprendre des choses à des plus jeunes que moi. Et alhamdoulilah, je suis fier. Je suis un des seuls youtubeurs à faire ça. Les autres, ils font quoi? Ils font soit de la performance. Ou soit faire rire les gens. Tout simplement. Performance, faire rire. Faire rire, performance. Performance, faire rire. Moi, alhamdoulilah, je me suis installé entre les deux. Je donne des conseils aux gens. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier de vous donner des conseils. Et même vous, vous me remerciez à chaque fois. Vous me dites, Abdel, t'as fait ci pour moi, t'as fait ci pour moi. Ben sa mère, je suis content de faire ça pour vous. Je suis content de faire ça pour vous. Et wallah, je suis content de faire ça pour vous. Aujourd'hui, je m'en fous de ces gens-là. C'est des bons à rien. C'est des mecs qui servent à rien. Et ils me stopperont jamais. Et ils me mettront jamais de stop. Bref, moi, quand je vous le dis souvent, les gars, comme je le dis sur Facebook, sur YouTube, c'est pas un monde de bisounours. Quand vous allez monter, tous les gens que vous avez autour de vous vont vous lâcher pour faire autre chose avec des autres personnes qui ont soit plus d'abonnés, soit ci, soit ça. Donc voilà, tout simplement, restez dans votre élément, restez avec les personnes qui vous entourent, restez de bonnes personnes, restez intelligents, et surtout, quand ces personnes-là vous balancent quelque chose, soyez intelligents, ripostez, ne vous laissez pas faire. C'est en se laissant faire qu'on devient après victimisé, qu'on devient une victime. Faut pas se laisser marcher dessus. Il faut répondre. Répondre avant que la personne abuse de toi. Tout simplement, frère. Ça, c'est le petit dernier conseil de la vidéo. Ok? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire dans mes vidéos? À chaque fois, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Faites attention à vous. C'est important. YouTube, vous allez passer et vous allez avoir une vie, vous allez partir. Ben, moi, alhamdoulilah, vous serez passé pour que je vous apprenne quelque chose. Tonton, GameX13. Ou Abdel, il vous aura appris quelque chose. Et j'en suis fier. Tout simplement. Je fais pas de la bouffonnerie, moi, sur YouTube.
j'apprends des choses aux gens et j'en suis fier. Et personne ne peut se moquer de moi et personne ne pourra me l'enlever. Ok? Et c'est comme ça qu'il faut que vous soyez avec vous-même. Tout ce que vous pouvez faire dans votre vie, tout ce que vous pouvez entreprendre, essayez de voir où est votre avantage. Ok? N'essayez pas toujours de voir l'avantage de l'autre. Essayez de voir où vous allez et qu'est-ce que vous faites. Tout simplement, les frères. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous comprenez tous les mots qui sortent de ma bouche là. Vous les comprenez tous. Ok? Le plus important, c'est de s'auto-encourager. Si t'as pas d'encouragement, encourage-toi toi-même déjà. Ça sera déjà bien. Ça sera un bon début, frère. Ok? Bon, les gars, tout ce que vous voulez faire dans votre vie, footballeur, tennisman, basketballeur, non, je rigole. Si vous voulez faire du basket, faites ce que vous voulez, les frères. Ok? C'est ce qui compte le plus dans la vie. Faire ce qu'on veut. Ok? Bonne chance à vous. Je vous souhaite de réussir tout ce que vous voulez faire. On se retrouve pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous voulez venir me suivre sur Twitter, c'est juste en bas là-dedans, là, tout simplement. N'hésitez pas à regarder la description si vous voulez venir me suivre sur Facebook ou sur Twitter. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de la liker, de la commenter et n'oubliez pas de boire un petit thé, tout simplement, ok? Bon, bref, les frères, allez, ciao!